Ah, c'est sûr, c'est sûr. Beaucoup, hein. Ouais. Avant, non. Avant l'âge de 10 ans, non. Et puis, ça a commencé vers 11 ans, 12 ans. Et puis, il y a une période où tous les matins, je me réveillais en me disant, ça se trouve, ce soir, je serai morte. Ce soir, je ne me recoucherai pas. Et il y a eu une période comme ça, assez longue, de quelques mois, où tous les matins, j'avais cette idée. Et moi, c'était un peu l'angoisse d'un mur qu'il y avait devant moi. Je voyais un mur, et puis ce mur, je n'arriverais pas à le franchir. Et je ne savais pas ce qu'il y avait derrière, je ne savais même pas si ça valait le coup de le franchir. Et il y avait un peu cette angoisse, qu'est-ce que va être l'avenir, et qu'est-ce que je vais être. Et bon, le monde des adultes, c'est bien, mais comment je me placerai là-dedans. Et malgré tout, il y avait cet instinct de mort, de dire, bon, ben, je ne franchirai pas ce mur. Et puis en même temps, il y a peut-être quand même quelque chose d'intéressant derrière, et ça vaut peut-être le coup d'y aller. Voilà. Voilà. Jean de Charon, l'heure est venue de nous dire